Je ne sais pas comment vous dire merci. Merci de votre soutien. Merci de votre confiance. Merci de votre amitié. Je suis venu ce soir parler à la France qui travaille. J'ai voulu que chacun dans cette campagne puisse me dire ses inquiétudes, ses peurs, ses souffrances et ses espérances. J'ai voulu un contact direct, sans protocole, sans barrière, sans faux-semblant. Je veux être libre, libre de vous parler et que vous soyez libre de votre expression. Ainsi, nous allons faire ensemble de cette formidable campagne un moment utile pour la France. Je veux, en commençant mon propos, vous lire la lettre d'un ouvrier du Nord que j'ai reçue avant Noël. Je veux vous la lire, en lire des extraits, parce que cette lettre, je l'ai trouvée sincère, profonde et émouvante. Monsieur le Président, nous voulons conserver notre entreprise, nos métiers, notre compétence. Nous ne sommes pas propriétaires de notre entreprise, mais c'est celle où nous travaillons depuis plus de 30 ans. Demain, si tout cela est réduit à néant, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Seules quelques centaines de personnes viendront grandir les chiffres du chômage. Mais pour nous, ce ne sont pas que des chiffres. Et ceux qui auront pris la décision de sacrifier notre entreprise dormiront peut-être mieux, passeront des fêtes de fin d'année et verront peut-être leur salaire augmenter. Mais nous, Monsieur le Président, nous voulons vivre de notre entreprise, nous voulons faire vivre nos enfants de notre travail et nous voulons faire vivre la France. Eh bien, c'est à un homme comme lui que je veux m'adresser ce soir. Et c'est à tous ceux à qui il ressemble et qui pourraient dire la même chose que je veux répondre. Oui, je me sens proche de tous ces Français qui aiment leur travail, qui aiment leur métier, qui aiment leurs entreprises. Oui, je veux les aider. Je veux leur offrir mon énergie et je veux tenter de répondre à leurs souffrances. Je n'y arriverai pas toujours, mais je veux prendre un engagement solennel devant vous. Je vous le promets solennellement. J'essaierai de toutes mes forces toujours parce que le mot « renoncement » ne fait pas partie de mon vocabulaire et ne fera jamais partie de mon tempérament. Je veux être le porte-parole de cette France qui veut vivre de son travail. Je veux être le porte-parole de cette France pour qui le travail est une valeur et qui se désole quand elle voit le travail déconsidéré, quand elle voit le travail abîmé. Vous êtes la France du travail, celle des ouvriers qui veulent sauver leur entreprise. Cette France qui ne ménage jamais ses efforts. Paysans, ouvriers, commerçants, artisans, cadres, ingénieurs du Nord, du Pas-de-Calais, de Picardie, le souvenir douloureux de la fermeture des mines, de la fermeture des ateliers de tissage et des hauts fourneaux ne vous a pas empêché, dans vos régions, de regarder l'avenir. À ceux qui rêvaient d'une France sans ouvriers, sans paysans, sans usines, vous avez dans votre histoire, l'histoire de votre région, opposé le démenti formel du courage, de la ténacité, de l'intelligence. Un pays a besoin de tirer parti de toutes les intelligences, celle des savants, celle des ingénieurs, mais aussi celle des ouvriers, celle des paysans,
celle des artisans. Un pays ne peut pas vivre sans agriculture, sans industrie. Parce que lorsque la production s'en va, tout le reste finit par partir aussi. La crise que nous connaissons depuis 3 ans a anéanti bien des efforts et ruiné bien des espoirs. Mais sur ces terres du Nord, où se mêlent les souvenirs de drames insoutenables et de réussites éclatantes, sur cette terre du Nord, il y a encore une agriculture, une industrie, un artisanat qui ne sont pas tournés vers le passé, mais qui sont tournés vers l'avenir. Et ce miracle, car c'en est un, il n'a qu'une cause, le travail, votre travail. Voilà pourquoi le travail est la valeur cardinale de la République française. C'est le travail qui a fait la prospérité d'hier. C'est le travail qui fera la prospérité de demain. Les Trente Glorieuses, c'était la glorification du travail. Et les 30 années qui ont suivi, pendant lesquelles la France a pris du retard, pendant lesquelles la France a parfois reculé, ce furent les années de la dévalorisation du travail. La crise sans précédent que nous vivons, c'est d'abord une crise du travail. C'est une crise de la suprématie accordée à la spéculation et à la rente sur le travail. C'est une crise de l'assistanat qui avait fini par payer davantage que le travail. C'est une crise de la représentation du monde dans laquelle l'homme n'avait plus la première place. C'est une crise qui sanctionne l'oubli de l'homme dans l'économie et dans la société. On avait oublié que derrière l'économie virtuelle, il y a l'économie réelle. On avait oublié que derrière les chiffres, les comptes, la finance, l'argent qui change de main en une fraction de seconde, il y a le travail des hommes et des femmes qui se lèvent tous les matins pour faire tourner l'économie, pour produire, pour créer, pour entreprendre. On avait oublié qu'une entreprise, ce n'est pas une affaire de comptes et de finances. Ce ne sont pas que des actions dont le cours monte et dont le cours descend. Ce ne sont pas que des actionnaires qui ont l'œil rivé sur la bourse. On avait oublié qu'une entreprise, c'est d'abord une communauté de travail, une communauté humaine. On avait oublié que derrière la solidarité, il y a ceux qui travaillent pour les autres, pour ceux qui sont trop jeunes, pour ceux qui sont trop âgés, pour ceux que les accidents de la vie ont durement frappés. On avait oublié que l'économie, ce n'était pas de l'arithmétique, parce que l'économie, pour moi, c'est du travail. Le travail n'est pas une quantité. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est une force de création. Le travail ne se divise pas. Le travail ne se partage pas. Le travail crée. C'est le travail qui crée du travail. En divisant le travail, en partageant le travail, on ne crée pas des emplois, on détruit des emplois. Parce que c'est le travail qui fait croître l'économie et qui crée des emplois, parce qu'en partageant le travail, on décourage le travail. La vie, je le sais, ce n'est pas que le travail. Mais il ne faut pas opposer le travail à la vie, parce que le travail, c'est le moyen d'être libre, parce que le travail, c'est la condition de la solidarité. On n'est pas libre quand on n'a pas de travail. Alors, mes chers amis, quand ceux qui ne travaillent pas sont de plus en plus nombreux à cause de l'allongement de la durée de la vie, à cause des délocalisations, à cause de la crise, quand ceux qui travaillent doivent porter la charge de plus en plus lourde de ceux qui ne travaillent pas et qui sont de plus en plus nombreux, alors je le dis parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler moins, il faut travailler davantage. Sinon, il ne peut plus y avoir de solidarité parce qu'il ne sera plus possible de payer cette solidarité. Quand la durée de la vie s'allonge,
quand la crise détruit des emplois, si l'on ne veut pas que les salaires baissent, si l'on ne veut pas que les retraites baissent, si l'on ne veut pas que les allocations diminuent, il ne faut pas travailler moins, il faut travailler davantage. En 2007, j'avais choisi le travail, je n'ai pas changé d'avis. Et c'est pourquoi tout au long de la crise, avec François Fillon, avec le gouvernement, j'ai voulu maintenir ce choix. Car mes chers amis, il n'y a que deux façons de répondre à la crise. Il n'y en a pas trois. La première consiste à baisser le niveau de vie, à baisser les retraites, à baisser les salaires, à baisser les allocations de chômage, à diminuer les aides aux plus démunis, aux plus fragiles. Je m'y suis refusé. La deuxième solution, celle que je souhaite pour la France, c'est le choix de travailler davantage pour rembourser les dettes qui permettront à la France de préserver le niveau de vie. C'est la ligne que je me suis fixée et dont je ne dévierai pas. Je ne m'en suis pas départi pendant les 5 années passées. Cette ligne, c'est la seule possible pour notre pays. Répondre à la crise par la baisse du niveau de vie, c'est prendre le risque d'être entraîné toujours plus bas. C'est prendre le risque de la déflation. C'est prendre le risque de la dépression. Répondre à la crise par le travail et par l'effort, c'est choisir de sortir de la crise par le haut, d'en sortir plus vite et d'en sortir plus fort. En engageant le combat que nous avons engagé pour la moralisation du capitalisme financier contre la spéculation, contre les bonus, contre les paradis fiscaux, nous n'avons rien fait d'autre qu'engager le combat pour la réhabilitation du travail. En choisissant à chaque fois qu'il a fallu trouver des ressources nouvelles pour combler les déficits que la crise avait creusés, nous avons choisi de taxer les revenus financiers plutôt que ceux du travail. En faisant ça, en choisissant cela, nous avons choisi de protéger le travail. En choisissant de reculer l'âge du départ à la retraite, nous avons choisi de combler le déficit des retraites par le travail, parce que je refusais la baisse des pensions ou l'augmentation des cotisations. En exonérant les heures supplémentaires pour sortir des 35 heures, nous avons choisi d'encourager le travail plutôt que le décourager. Nous avons choisi d'augmenter le pouvoir d'achat des 9 millions de travailleurs qui, l'année dernière, ont bénéficié des heures supplémentaires. Et ceux qui accusent ces millions de travailleurs de prendre le travail des autres, ceux qui affirment qu'il y aurait moins de chômeurs s'il y avait moins d'heures supplémentaires, cela montre qu'ils n'ont toujours rien compris au rôle économique du travail. Rien compris au fonctionnement des entreprises. Rien compris aux aspirations des ouvriers et des salariés de l'économie française. En créant le RSA, nous avons choisi l'incitation au travail contre l'assistance. En instaurant le service minimum dans les transports et à l'école, nous avons choisi de protéger la France du travail contre les prises d'otages dont elle faisait régulièrement l'objet et qui l'empêchaient de travailler. En décidant de ne plus financer notre protection sociale uniquement par le travail, en décidant de faire contribuer les importations et les revenus financiers au financement de la politique familiale, en cherchant à alléger le coût du travail, nous avons choisi de protéger le travail. En supprimant la taxe professionnelle qui décourageait l'investissement, en lançant 35 milliards d'investissements d'avenir, en créant le fonds stratégique d'investissement pour permettre à nos entreprises d'être à l'abri des prédateurs, en mettant en place le crédit d'impôt recherche, nous avons choisi de privilégier le travail. Dois-je ajouter pour rétablir la vérité qu'en sauvant nos banques au plus fort de la crise financière, ce ne sont pas les banquiers que nous avons sauvés, c'est l'épargne des Français que nous avons préservée.
C'est bien beau de se dire l'ennemi de la finance. Mais si les banques avaient fait faillite, c'est l'épargne des Français qui aurait disparu avec ces faillites. C'est vrai, la crise, les dumpings continuent à faire des ravages malgré tout ce qui a été accompli depuis 5 ans. Mais je crois pouvoir le dire, pour la première fois depuis la fin des Trente Glorieuses, l'industrie, la production, le travail ont été replacés, pas simplement au cœur de la politique économique, ont été replacés au cœur de la politique tout court. Garder nos usines, protéger nos ouvriers est redevenu une priorité. Je veux le dire à ceux qui trouvent que ne rien faire vaut mieux que de donner, comme ils disent, de faux espoirs. Alors donc voilà qu'il ne faudrait agir que lorsqu'on est absolument sûr de réussir. Voilà qu'il ne faut rien tenter comme s'il ne fallait pas se battre dès lors qu'il y aurait le risque d'échouer. Jamais, mes chers amis, je ne resterai les bras croisés. S'il y a une chance, vous m'entendez, s'il y a une chance, même minime, de sauver un emploi, d'empêcher qu'on ne s'abîme dans le chômage, parce qu'une usine qui ferme, c'est un drame, d'abord un drame humain, eh bien j'essaierai toujours. Parce que peu m'importe le risque d'échouer, je n'ai pas été élu pour dire « il n'y a rien à faire ». Si je les avais écoutés, si j'avais dit, comme eux, on n'y peut rien, eh bien Alstom aujourd'hui n'existerait plus. Photowatt aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Et le Jabi aurait été rayé de la carte. Aujourd'hui, ils nous disent que le grand emprunt est trop petit et que ça ne va pas assez vite. Je rappelle simplement qu'au moment du grand emprunt, ils ne l'ont pas voté. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut un pôle public de financement pour l'industrie. Je rappelle qu'il existe déjà. Voici donc une promesse qui ne sera pas bien difficile à tenir. Aujourd'hui, on nous explique qu'il faut se battre au G20 pour réguler la mondialisation et la finance. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Fort heureusement, je ne les ai pas attendus, parce que si je les avais attendus, on y serait encore, je veux dire, au point de départ. Ils nous disent, ils veulent tout faire pour l'emploi. Tout faire pour l'emploi. Ce qu'ils veulent, c'est seulement dépenser plus. Alourdir les charges qui vont pénaliser le travail. Pour une raison simple, c'est quand on postule à la responsabilité suprême, il faut être capable de dire non. Et pas toujours oui, selon les interlocuteurs multiples que l'on rencontre tout au long de sa route. Quand on veut revenir à la retraite à 60 ans, on se condamne à trouver, d'ici à 10 ans, 20 milliards de recettes de plus chaque année qui seront autant de charges qui détruiront l'emploi des Français. Quand on ne veut pas réduire le nombre de fonctionnaires, on se condamne à augmenter les impôts qui ruineront la compétitivité de notre économie. Ils nous disent qu'ils veulent encourager le travail. Mais moi, je vous dis, ils ne sont obsédés que par le développement de la cistana et l'entretien de clientèle. Ah, j'allais oublier. Ils nous disent qu'ils veulent faire payer les riches. Mais moi, je vous le dis, c'est tout le monde qui payera la facture. Parce que pour eux est riche toute personne qui veut seulement vivre des revenus de son travail sans rien demander à personne. Ils nous disent qu'ils sont pour la politique industrielle. Mais depuis 5 ans, ils ont voté contre toutes les mesures de politique industrielle, sans l'ombre d'une exception. En vérité,
quand il parle de travail. Quand il parle aux travailleurs et aux ouvriers, ils ne leur disent pas la vérité, parce qu'il faut du courage pour dire la vérité. Il faut dire que ça faisait bien longtemps qu'ils n'étaient plus allés dans les usines. Eux, ils parlent de statut. Moi, je parle de travail. Eux, ils parlent à des castes. Moi, je veux parler au peuple de France. Je me souviens d'un Premier ministre socialiste. Et lorsqu'on lui parlait de la restructuration de la sidérurgie qui s'était accomplie, vous le savez, dans tant de douleurs, ne trouvait rien d'autre à dire que cette phrase, à mes yeux, sinistre. C'était nécessaire à la crédibilité de la gauche. Et aujourd'hui, quand on ose négocier des accords électoraux sur le dos de milliers d'ouvriers de la filière nucléaire, je veux dire que cet accord est misérable car il se fait sur le dos d'ouvriers qui méritent davantage de respect. Alors sans doute, c'est nécessaire pour que le Parti socialiste puisse gagner quelques voix, mais ces quelques voix, à mes yeux, c'est infiniment moins important que le sort de dizaines de milliers d'ouvriers qui sont les héritiers de la plus belle tradition industrielle française. Alors je sais, on va sans doute dire que je tiens des propos forts à l'encontre de mon adversaire qui, semble-t-il, a du mal à supporter la critique, voire la contradiction. Mes chers amis, toute critique n'est pas une attaque personnelle. Toute contradiction n'est pas une insulte. Que devrais-je dire, moi-même, après les 5 années que je viens de vivre ? Quand je suggère... que mon adversaire aime davantage son parti que la France. Cela choque les épidermes sensibles. Mais quand la première secrétaire du Parti socialiste dit que je piétine la démocratie, me compare à une personne condamnée à 182 années de prison, c'est certainement tout à fait respectueux de la personne du président de la République. Quand je dis qu'il manque de courage, parce que manquer de courage, c'est refuser de dire la même chose selon les interlocuteurs, c'est peut-être blessant pour une sensibilité sans doute exacerbée, mais quand on parle de moi comme un être anormal, je dois le prendre certainement comme une grande délicatesse qui tire tout le débat politique vers le haut. Quand je dis qu'il ment, c'est que c'est un fait. On crie à l'outrage. Mais quand je suis traité de sale type, je dois sans doute considérer que c'est un propos très aimable qui m'est adressé. La vérité, mes chers amis, c'est que pour être président, la vérité, c'est qu'il faut du sang-froid. Je n'ai jamais répondu à ces attaques, qui n'ont d'ailleurs, à mes yeux, guère d'importance. Pourquoi d'ailleurs attaquer ? Les socialistes, ils le font très bien eux-mêmes, entre eux. Je dois dire que jamais je n'aurais osé affirmer à propos du candidat socialiste, est-ce que les Français peuvent citer une seule chose que François Hollande aurait réalisé en 30 ans de vie politique. Une seule. C'est pas de moi.
c'est de Ségolène Royal. Ce n'est pas non plus moi qui ai déclaré, je n'aurais pas osé. Franchement, vous imaginez François Hollande, président de la République, on rêve. C'est Laurent Fabius, un spécialiste du rêve. Je vais donc, mes chers amis, continuer à parler des idées politiques, des propositions. Je vais donc m'abstenir, comme je l'ai toujours fait, de toute attaque blessante, de toute insulte. Et je n'accorderai aucune importance à celle qu'on m'adresse, comme je le fais d'ailleurs depuis 5 ans. Et je vais même vous dire quelque chose. C'est une confidence. Quand la situation était décrite par tous les observateurs qui connaissent tellement bien la chose politique comme perdue, je me disais, mais dans le fond, pourquoi se donner tant de mal pour abattre quelqu'un qui est déjà perdu? Et je trouvais un profond réconfort dans l'attention que me portaient mes adversaires. Et d'ailleurs, pour la France, je préfère de beaucoup l'excès de critique à l'absence de démocratie, comme je préférerais toujours la caricature à la censure. C'est à la gloire de notre pays. La place du travail dans l'économie, dans la société, dans l'éducation, dans la morale, c'est une question pour nous tous lourde de sens. C'est une question de civilisation. Poser la question du travail, c'est en poser une autre. Dans quelle société, dans quelle civilisation voulons-nous vivre? Avec quelle conception de la liberté? Avec quelle idée de la responsabilité? Je sais le malaise qu'éprouvent beaucoup de Français qui travaillent et qui ont le sentiment que leur travail ne leur permet plus depuis longtemps de contrôler leur propre vie. Il y a une France, et j'ai un devoir de lucidité, il y a une France qui a le sentiment que malgré tous ses efforts, elle ne décide pas de sa vie. L'agriculteur dont le revenu dépend d'un spéculateur à l'autre bout du monde, qui joue avec le prix de ce qu'il produit par son travail, éprouve le sentiment qu'il n'est pas maître de sa vie. C'est une réalité. L'ouvrier, qui s'est dévoué toute sa vie à son entreprise, qui vit dans la hantise de la délocalisation, parce qu'à l'autre bout du monde, un concurrent ne respecte aucune règle, cet ouvrier a le sentiment que sa vie ne lui appartient pas. L'artisan, qui aime le travail bien fait, qui se fait un devoir de travailler dans les règles de l'art, n'en peut plus d'être en concurrence avec ceux qui n'ont pas les mêmes règles et qui ne sont pas obligés de respecter les mêmes exigences de qualité. Cet artisan a le sentiment qu'il ne se bat pas à armes égales. Et le père qui incite son fils à travailler à l'école et qui sait que ça ne suffira pas à écarter la menace du chômage, éprouve le sentiment qu'il ne peut pas offrir à ses enfants l'assurance d'une vie plus belle que la sienne. Cette France à laquelle on demande plus, nous devons lui rendre l'espérance. L'espérance qu'au bout de tant d'efforts, qu'au bout de tant de sacrifices, il y aura une vie meilleure pour elle. Cette France-là, elle réclame qu'on lui donne les moyens de vivre de son travail, d'être protégée des aléas de la vie grâce à son travail. Cette France, elle est solidaire de ceux qui ont été victimes des accidents de la vie. Mais elle réclame justice. Elle réclame que celui qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais cotisé, n'ait pas plus de droits que celui qui a travaillé et qui a cotisé. C'est justice. Cette France, elle réclame que celui qui travaille gagne toujours davantage que celui qui ne travaille pas. C'est justice. Cette France, elle sait qu'elle peut avoir besoin un jour de la solidarité nationale, parce que beaucoup de ces Français qui ont le sentiment de ne plus maîtriser leur destin vivent dans la hantise de tout perdre. Mais cette France qui travaille dur, elle ne veut pas, et je la comprends, que la solidarité incite à ne pas travailler parce qu'elle donne plus à celui qui ne ferait rien qu'à celui
qui se donnent tant de mal. Ce n'est que justice. Cette France, pour mettre les points sur les i, elle ne veut pas que celui qui bénéficie de la solidarité abuse de la situation. Mais elle ne veut pas non plus que tout en haut de l'échelle, ceux qui lui demandent de faire des efforts se versent sans scrupule des rémunérations indécentes et s'octroient en pleine crise des augmentations mirobolantes. C'est justice de dénoncer cela. Au fond, cette France ne veut pas être la seule à avoir des devoirs. Cette France, elle réclame deux choses, la morale et la décence. Cette France, elle veut être respectée, respectée dans son travail. Cette France, elle veut être reconnue, reconnue dans son mérite. Elle veut que son travail soit une source d'émancipation et non d'aliénation. Eh bien, cette France, je veux tout faire pour lui rendre la maîtrise de son destin. Je veux qu'on lui rende la considération qu'elle mérite. Je veux la protéger. Je veux qu'elle reçoive la récompense de ses talents et de son courage. Cette France qui a l'impression que tout se décide en dehors d'elle. Je veux lui rendre la parole. C'est pour elle que je me suis battu pour que soit dans les négociations internationales mis sur un même plan le droit de l'environnement, le droit à la santé, le droit au travail, à égalité avec le droit du commerce. C'est bien pour la France du travail que nous nous sommes battus. Si nous nous sommes tant battus pour sauver l'euro et pour sauver l'Europe, c'est parce que c'est la France du travail qui aurait été la première victime de l'éclatement de l'euro et de l'Europe. Vous, dans cette région, vos parents, vos grands-parents ont payé tellement cher les guerres qui ont ravagé le continent européen. Est-ce que, franchement, on ne doit pas se battre pour cette Europe qui a apporté la paix à notre pays et à des régions comme la vôtre? Que serait-il resté de l'Europe si nous ne nous étions pas battus pour sauver l'euro et pour sauver l'Europe? C'est pour cette France, je le dis en vérité, y compris quand ça peut choquer certains de nos amis, c'est pour cette France que j'ai proposé d'interdire les retraites chapeaux, les parachutes dorés pour les dirigeants d'entreprise. C'est pour cette France que je souhaite que les rémunérations des principaux dirigeants soient approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires au lieu de régler ça entre amis dans les conseils d'administration. C'est pour cette France que je propose que désormais un représentant des salariés siège au comité des rémunérations et que les rémunérations soient publiées dans le rapport annuel. Je le fais parce qu'il continue à y avoir des comportements inadmissibles. Je le fais en pensant à la France qui travaille et qui est proprement scandalisée par de tels comportements. Mes chers amis, je crois tant à nos idées que je ne supporte plus que nos idées qui sont justes soient caricaturées parce qu'une minorité a un comportement caricatural. C'est pour cette France que je souhaite que ceux qui travaillent et qui ne supportent plus que sur leur feuille de paye, le salaire brut soit élevé et le salaire net trop faible, que je veux réduire la différence entre le salaire brut et le salaire net en diminuant les charges que payent les salariés. Quand je vais à la rencontre des travailleurs, j'entends ce que vous me dites. Ils me disent, vous avez baissé les charges pour les entreprises, mais vous ne les avez pas baissées pour les salariés. Je réponds qu'il fallait le faire pour lutter contre les délocalisations, pour protéger l'emploi. Mais je leur dis maintenant, le moment est venu de baisser les charges sur les salariés, parce que la feuille de paye de celui qui travaille doit être notre priorité. Nous allons nous servir des crédits de la prime pour l'emploi. Nous allons augmenter la fiscalité des dividendes pour l'aligner exactement sur la fiscalité du travail.
Et avec ça, nous allons baisser les charges sur les bas salaires et augmenter le salaire net, celui qui touche le salarié, de près de 1 000 euros au niveau du SMIC, parce que je veux que toujours le travail soit davantage récompensé que l'assistanat. Je veux que le travail paye plus que les allocations. C'est une question de morale. Il faut que le travail ne soit pas plus taxé que les revenus financiers. C'est une question de justice. C'est ce que réclame la France qui travaille. Et elle a raison. Quand je propose de généraliser l'obligation, je dis l'obligation, pour les titulaires du RSA de faire 7 heures d'activité d'intérêt général par semaine, je pense à la nécessité de réinsérer dans la société, par le travail, ceux qui tendent à s'en éloigner de plus en plus. Et j'écoute la France qui travaille, dont les conditions de vie sont trop dures pour qu'elle accepte de partager, qu'elle n'accepte de partager que si elle a conscience que chacun fait un effort minimum. Pas de droit sans devoir en contrepartie. Je souhaite d'ailleurs que le maintien du RSA soit conditionné à une évaluation périodique, tous les 18 mois, qui permettrait de mesurer les progrès de l'insertion. Quand je propose que tout chômeur qui n'a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi soit tenu de suivre une formation qualifiante, un métier pour lequel il existe des besoins, puis d'accepter un emploi correspondant à cette formation, je pense au chômeur qui a besoin qu'on l'aide à se reconstruire et à retrouver sa place dans la société. Si on n'a aucune chance de retrouver un emploi, on doit prendre une formation qualifiante. Et à l'issue de cette formation qualifiante, on doit accepter l'emploi que l'on vous propose. Je pense à l'enfant qui ne sait pas ce qu'est la valeur du travail parce qu'il ne voit jamais son père se lever le matin pour aller travailler. Quand j'engage le dialogue avec les partenaires sociaux sur le développement de l'activité partielle, je penserai toujours que mieux vaut une activité partielle que le chômage. Quand nous ouvrons le chantier des accords compétitivité-emploi, je pense à la France du travail. Pour la première fois, un accord majoritaire conclu dans l'entreprise permettra de s'affranchir du contrat de travail et de certaines dispositions légales pour faire face à une situation particulière. Si chacun sent qu'il a une responsabilité dans la survie de l'entreprise, alors pour les partenaires sociaux, les choses se joueront à l'avenir dans l'entreprise et pas dans la rue, dans la négociation et pas dans la manifestation. Pour la France qui travaille, cela sera un changement profond des habitudes et des comportements. Quand je veux pousser plus loin la participation et l'intéressement des salariés aux bénéfices de l'entreprise, je pense à la France qui travaille et qui a le droit d'être récompensée de ses efforts et d'être associée à la marche et à la réussite de l'entreprise, parce que l'entreprise doit redevenir une communauté destin et qu'il est insupportable de considérer que quand il y a l'échec de l'entreprise, c'est ceux qui sont au bas de l'échelle qui payent systématiquement, et quand il y a la réussite de l'entreprise, ce n'est pas tous les salariés qui pourraient participer au succès de l'entreprise. Quand je veux réduire le nombre de fonctionnaires pour les payer mieux, quand je veux développer la rémunération au mérite dans la fonction publique, je veux dire combien pour moi les fonctionnaires qui sont dévoués au service public font partie de la France qui travaille, mais que la paupérisation de la fonction publique, parce qu'embaucher sans arrêt plus de fonctionnaires, avec les déficits qui sont les nôtres, ce n'est plus possible. Il n'est pas acceptable qu'on puisse, en 2012, proposer à la France 60 000 postes de fonctionnaires en plus, sans avoir la moindre idée de savoir comment on financera cette dépense. Alors, bien sûr, mes chers amis, pour terminer, quand j'écoute la France qui travaille, je mesure l'étendue de ce qui reste à faire. Et c'est d'ailleurs bien pourquoi
Je propose aux Français ce projet pour les 5 années qui viennent. Je mesure ce qui reste à faire. Je vois bien quand une minorité infime de jeunes n'a plus envie de gagner sa vie en travaillant parce qu'elle pense dans certains nombres de nos quartiers que c'est plus facile de gagner en trafiquant. Je mesure ce qu'il reste à faire. Je mesure ce qu'il faut d'investissement et d'engagement pour arrêter cela. Quand je vois les excès de la finance qui demeurent et les abus de l'assistanat qui persistent, je mesure ce qu'il reste à faire. Je me dis qu'il faut redonner la parole à la France qui travaille, qu'au fond, c'est la seule façon de surmonter les blocages, que c'est la seule façon de vaincre les conservatismes, que c'est la seule façon de réhabiliter complètement le travail. C'est pour cela que lorsque des blocages seront avérés, je me tournerai vers le peuple de France en proposant un référendum. Et vous serez, peuple de France, les garants de mes engagements devant la France. Alors, bien sûr, nous ne devons pas penser le travail comme il y a 30 ans ou comme du temps de la révolution industrielle. De plus en plus, la qualité du travail l'emportera sur la quantité. Quelle erreur de penser qu'on était malheureux à 36 heures et qu'on serait heureux à 35 heures. Quel temps perdu de ne raisonner qu'en termes de quantité alors que nous aurions dû investir sur la qualité du travail, sur le respect du travailleur. C'est pourquoi je veux la reconnaissance d'un droit à la formation pour chacun de vous, quel que soit votre âge. C'est pourquoi j'ai voulu que les entreprises de plus de 250 salariés soient obligées d'accueillir 5% de leurs effectifs en apprentis. C'est pourquoi je veux que l'apprentissage soit obligatoire en dernière année de baccalauréat professionnel. De plus en plus, la formation tout au long de la vie sera indispensable. De plus en plus, la mobilité du travail sera la règle. La France du travail aspire à avoir la liberté du choix, libre choix des horaires, libre choix entre travail et formation, libre choix entre période de vie professionnelle et période de vie familiale, libre choix d'organiser sa vie, son travail. C'est cela la contrepartie de la plus grande souplesse dont l'entreprise aura besoin dans une économie où la réactivité sera la règle. Je souhaite mettre le travail au cœur du débat, pas simplement parce que nous en avons besoin pour sortir notre pays de la crise, mais aussi parce que je veux parler de la qualité de vie au travail, du respect du travailleur, de la sécurité au travail, de l'intéressement au travail, parce que la vie, elle est dans sa vie de famille et dans sa vie professionnelle, et que je ne veux pas qu'on oppose l'un à l'autre, comme cette époque que la France a connue, où on croyait intéressant de faire un ministère du temps libre, comme si on pouvait jouir du temps libre quand on n'avait pas d'emploi, pas de salaire, pas de revenus pour faire vivre sa famille. Alors bien sûr, j'aurai l'occasion d'en reparler. Il y a ce que nous devons faire en France. Il y a le changement des règles de la mondialisation, il y a tout ce que nous devons faire pour changer l'Europe, dont nous avons tellement besoin, mais qui doit évoluer, parce que la préférence communautaire n'est pas un gros mot, parce que les règles de la concurrence sont aujourd'hui absurdes, parce qu'il n'y a pas de politique industrielle européenne, mais je veux dire quand même que l'Europe, c'est le cœur de notre avenir. Et quand j'ai vu que récemment, au moment où le Premier ministre François Fillon présentait au Parlement, après tant de mois de négociations, l'instrument d'une solidarité européenne pour que ce miracle qu'est l'Europe puisse survivre à la crise, pour que nous ne soyons pas obligés de tendre la main au FMI, il m'est arrivé dans le passé de voter des traités et des lois proposées par des présidents dont je n'avais pas la même sensibilité politique. Parce que je voulais mettre l'avenir de mon pays et l'avenir de l'Europe au-dessus des contingences partisanes. Mais quand je vois que parce que le traité a été négocié par nous, alors
des parlementaires socialistes refusent d'assumer et s'abstiennent. Mais comment protéger les Français si l'on s'abstient lorsqu'il s'agit de construire l'instrument de la solidarité européenne ? L'abstention, c'est une fuite. L'abstention, c'est un refus d'assumer ses responsabilités. L'abstention, c'est un renoncement. L'abstention, c'est laisser les autres décider. L'abstention, c'est le contraire du courage. Si le traité que nous avons négocié n'est pas le bon, il faut avoir le courage de le dire et de voter non. Si le traité est le bon, il faut avoir le courage de le dire et de voter oui, parce qu'on met l'Europe au-dessus des choix partisans. S'abstenir, c'est un manque de courage, c'est une trahison de l'idéal européen qui va bien au-delà des intérêts de nos partis politiques. Alors, mes chers amis, la France mérite mieux que cela. La France est à un moment de son histoire où elle doit faire des choix. L'abstention ne fabrique pas une France forte, elle prépare une France faible. Et une France faible ne peut pas protéger les Français. Vous êtes, mes chers amis, la France qui travaille. Vous êtes le peuple de France. La France, c'est vous. Alors, peuple de France, alors Françaises et Français, aidez-moi. Aidez-moi à construire une France plus forte. Aidez-moi. La France a besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre énergie. J'ai besoin de votre ardeur. J'ai besoin de vos convictions. Aidez-moi. Aidez-moi à construire cette France forte. Aidez votre pays. Aidez-nous. Et ensemble, oui, ensemble, alors à ce moment-là, nous pourrons dire « Vive la République et vive la France !»